Alors, on a commencé avec l'autre grand prix qui a dominé l'actualité sous plan international. Et d'abord, et c'est le président Corée du Nord, Kim Jong-un, qui est nous trouvé en Russie. Ils ont visité que la France, et pas dire critiquer non, mais la France dit que c'est. Alors, raison à montrer comment que. La Russie est isolée sur le plan international, c'est peut-être une raison qui fait que les tournées, attention, et vers la Corée du Nord. Donc, on sont de grands rencontres qui peuvent discuter, grand pile Paul qui a parlé, qui a fait des armes qui parlent de négocier entre la Russie et la Corée du Nord. Donc, c'est quand même que nous retournons sur le coup, et puis bientôt en Espagne, bien ancien président de la fédération. Football et espagnol, Luis Rubiales, vient pour comparaître devant le tribunal vendredi. C'est sous demande des procureurs généraux qui m'ont dit ça. Donc, on convoque M. pour venir répondre des noirs de boxeurs que M. a fait avec El Mosso. On a vraiment fait un pile tournée internationale sur tous les réseaux sociaux. M. on un petit bois duré, bois et bon, qu'on s'assoit, bon, à dormir, on nous dit. Eh bien, monsieur, en pression internationale sur d'autres, pression dans la fédération, voilà, pression de joueurs de tout, sélection, et bien finalement, monsieur démissionné, donc ce qui vous paraît, comparaître, pour la répondre avec la justice, et puis tous les juges, tout, même tout qui déposait près tout, comme victime. Donc, son dossier qui est censé nous vivre tout. Alors, on a pour le beau, ça, c'est que je prends d'être devant la population mondiale là, parce que dans le moment que la sélection football sport là, tu as pu recevoir médaille et trophée et Coupe du monde football féminin que l'IT a remporté, alors qui a déroulé en Australie avec Nouvelle-Zélande. Donc, c'était en finale que mesdames et messieurs, l'IT a remporté compétition ça. Voilà, c'est ça lié. Et puis, dans l'autre nouvelle, le président Joe Biden retourné à Washington. Après, il a participé au sommet G20 à Hanoï, au Vietnam, côté de vie, un accord de coopération entre les États-Unis avec le Vietnam, un accord historique. Et puis, le président Joe Biden, entre-temps, tout bien, le président de la Chambre des députés et Kevin McCarthy qui a annoncé que. Chambre députée après l'ouvrir une enquête sur le président Joe Biden qui a soumis pour qu'il ait une information. Mais son enquête, une sorte d'enquête d'impeachment, son résultat, comme si Kouta va accuser les pirates de son pouvoir. C'est ça que résultat enquête, ça que Chambre députée après l'ouvrir, que le président Chambre députée, Kevin McCarthy a annoncé. Donc c'est une nouvelle qui fait un peu le parler. Surtout parmi les démocrates, mais les républicains, ils ont modifié plus de jeunes et documents, et bien aussi de bail qui est pour eux avec l'enquête déjà qui est le jour même sur le petit président Joe Biden, on a parlé de Hunter Biden. Donc, son dossier qui est censé l'ouvrir encore. Et puis, Maroc nous rapporte qu'il se fait un gros temps de se frapper dernièrement là, à côté puis passé 2000 personnes mourir là-dedans, sauf des gens qui disparaissent. Et bien Maroc est un genre réticent pour accepter l'assistance dans mon série de pays, bien que les États-Unis offrent l'assistance. Ce que l'État américain, Anthony Blinken, a annoncé que l'État attend pour que Maroc ait confirmé l'assistance que les États-Unis ont proposée. Et ça a été pareil pour prendre tête et foyer. Il y a des pays de la police qui sont déjà à basse, mais la France et Maroc ont un réticent pour la cité assiste. Mais quatre pays, c'est le pays de Sahel, c'est l'Italie, la Belgique, la France avec l'Allemagne. Donc, ils ont proposé assistance et tout, mais jusqu'à présent, pour que je me réponse. Dans le Maroc, nous avons bloqué un grand amendement de 6 points. Plus parce que c'est moins que 7.0 sur l'excel là, frappé PIA et vendredi passé, mais surtout dans la zone atlasio, dans la montagne, c'est une zone qui peut affecter. Mais et PIA, le travail, puis le gouvernement a décrété un 3 juillet qui commence à partir de dimanche. Et moi, j'ai demandé pour distribuer de l'eau et pour toutes les nécessités. Et puis, abri provisoire pour les victimes, surtout les petits cailloux, pendant le passage, c'est ça. Bientôt,
voilà, et puis on a appelé qui, oui, voilà. Et puis Libye, dans Libye, tout y a près de 2000 personnes qui mourent, et puis il se passe environ 10 000 autres personnes qui disparaissent, depuis qu'on a l'appel, après une relation avec le pays, donc tout le monde a des conditions naturelles, et une relation sacrée avec le pays. 10 000 personnes qui ont répondu à l'appel, et nous avons déjà eu 2 000 personnes qui ont mouru dans une relation sacrée. Dans le pays d'Haïti, c'était peut-être un cas et conflit. Et République dominicaine avec Haïti, à côté du gouvernement dominicain, en particulier le président Moussa Binader, parce qu'ils ont demandé à Haïti de camper sur les barrages qu'ils ont fait pour prendre. Pour la première fois, pour prendre l'eau dans le massacre, pour arroser toute pleine Maribawa. Et la République qui fait 3000 hectares de terre capable de faire pour. Est capable de bénéficier du programme ça que le président, le président, président et Jovenel Moïse était commencé, était campé, mais les paysans en zone là ont pris l'initiative là et a marché. Et le président Joseph avait demandé pour camper sur construction. Sinon, d'abord, il campait, il fait un français d'Arabon, voilà maintenant, et il a annoncé plus mesures toujours que le République dominicaine est capable d'adopter si Haïti n'a pas campé sur qui critiquait le République dominicaine, dit mais. Ça passé, si rivière là, d'après l'accord qui a été signé avec le République dominicaine en 1929, sur repartition de distribution, répartition légale et égale de l'eau et rivière Massacre là. Mais le République dominicaine, il y a 11 prises de l'eau que prend dans la rivière là, et il faut que j'en prenne une, excepté le président Jovenel Moïse qui a commencé une, qui n'est pas fini, et je dis à président et paysan dans un an. Commencer à faire travail sans assurance du gouvernement international parce que l'État pas là et le ministère de l'Agriculture qui a normalement mettre d'œuvre là, le ministère de l'Agriculture qui a dû mettre d'œuvre là, mais il n'y a pas de là, mais les hommes ont été commencés, et les paysans dans un an, ils prennent l'initiative de continuer, puis ils ont eu l'idée de le président, vous savez, dans le conflit pour être un petit peu crampé sur le bar là parce que les coussins ça comme une menace pour l'environnement dominicain si Haïtiens ont arrivé prendre de l'eau. Qui normalement partagent les frontières de pays et à ici entre les pays pour prévoir de réunions pour distribution égale égaux entre les pays ou usage égal égaux entre les pays. Mais Haïti n'a pas de prendre la personne qui n'a pas compris qui raison, excepté qu'en 2021, le président a lancé l'initiative là, mais c'est toujours une distribution. Et selon un ancien premier ministre que le journal et Dominique Elissindiario a interviewé, et il dit que le problème c'est que Haïti n'a pas un président qui est capable, ou bien pas un représentant légal qui a campé pour négocier avec, parler avec les Dominicains. Donc ça a eu rapporté dans le journal Lissindiario. Et ils sont pas quittés car ils sont en table de négociation, mais il semble que la première fois, il y a un conflit plutôt entre Haïti et les Dominicains. Qui n'a aucune raison d'être parce que c'est une population de pays qui est en paix, etc. Si tout le monde est sur frontière, mais les Dominicains ont mis la garde, etc. Alors, le président de Sabinader dit que si jeudi, Haïti va camper sur ce projet, et bien bon, et pour commencer, il va camper sur après visa. Il va bien faire visa, et visa haïtien, pas qu'à demander visa dans le consulat dominicain encore. Et en plus, il va faire une frontière totalement nette, actuellement, frontière partie dans une zone d'Arabon pour des conflits aériens fermés. Parler de Rabon et de Rabon Waname, ça ne s'est pas fermé. Et puis, si c'est toujours après une frontière, ça va faire longtemps, il y a parti dans l'autre partie de la frontière qui est fermée, mais c'est ça, c'est donc l'autre conflit qui est entre paysans, entre habitants dans la zone, dans le pays de Elias Pignas, qui était ouvert parce que c'était un conflit, et au conflit là, il était fermé, mais il était ouvert récemment. Donc on a assez d'abord qui ferme et nous rappelons que les zones s'assurent qui est important d'abord sur le plan économique, pour des activités économiques à marcher un peu pays, surtout le marché binational qui est dans trois zones. D'abord dans la zone d'Ahabon et Waname, il y a Spignas et Belader, et puis Gentou et Rimani, Malpas, et très certainement en Sapite avec Pédanal. Donc côté que le marché binational, mais d'après toute analyse qui fait que Dominique fermé, Dominique bénéficie plus. De Haïtiens, parce que Haïtiens au début viennent acheter. Donc Haïtiens, famille dominicaine et reproduisent, mais c'est Haïtiens qui viennent acheter. Non mais, Alain de Mallorca dit que la raison est que les États-Unis ont demandé de lancer un appel de personnel et personnel ambassade de la priorité qui est Haïti et plus que possible, c'est à cause de menaces. Je dis que quand ils ont fait pour les
et personnel l'ambassade là, donc c'est des raisons qui font que l'IOT lance un appel pour demander à Américains si le personnel de l'ambassade peut être quitté Haïti le plus possible. Ça, c'est une déclaration que Junaman Amira a rapportée, et le rapport est exactement une déclaration du ministre de sécurité intérieure américain, Alejandro Mayorkas, fait sur le dossier là, et puis le dossier qui finit pas toujours dans l'actualité jusqu'à présent. Et il y a des démarches qui ont fait beaucoup d'autorités ou bien avocats qui ont présenté Guy Philippe pour jusqu'au jeune document voyage qui a permis que Guy Philippe quitte les États-Unis pour voyager en Haïti. Mais en attendant, d'après les dernières nouvelles, Guy Philippe transmet toujours dans la main et ICE, qui est le service agence d'immigration, et captant documents, c'est ça, on peut déporter. Mais il y a des opinions partagées, des gens qui disent bon, les États-Unis sont arrêtés là, ils étaient venus aux États-Unis, ça passe pas sans pour ça que vous pour quitter Haïti, pour quitter les États-Unis, pour entrer en Haïti, il faut qu'il y ait un passeport, etc. Mais c'est un bail qui peut résoudre entre le ministère intérieur haïtien avec l'autorité américaine. Mais l'avocat qui a défendu les Philippines dit qu'il était déjà fait demande. Il a demandé que l'autorité haïtienne ait été bâtie en document voyage pour être capable de retourner à Haïti après les États-Unis et libérer. Alors, la justice américaine libérée. Et après, les fins purgées, en principe, 85% de la peine qui a été adoptée. Donc, et puis, le premier ministre Ariel Henry et Jérémy, côté digital, lancé l'ouverture à l'année scolaire, l'ouverture de l'école là. Mais nouvelle, la presse locale rapportée sans beaucoup proche. Et nous, la population, qui est calonné machine, et cortège président et premier ministre. Et c'est dans un commissariat dans le refuge pour sur le col. Mais bon, par exemple, une nouvelle par rapport à ce qui est fait non plus tôt, par une nouvelle par rapport à ce qui est blessé, etc. Et puis, le dossier Haïti a un CARICOM, je veux dire, il y a deux rencontres. Et virtuel entre acteurs protagonistes, les acteurs haïtiens. Et n'a pas les acteurs haïtiens qui m'impliquent dans la crise, c'est l'opposition, bien un consignataire, accord et CARICOM, accord Kingston, non, avec les supporters et accord 21 décembre, que les accords primatures là. Eh bien, et t'as de grands rencontres parce que n'a petit que CARICOM, une délégation CARICOM qui était en Haïti récemment. Mais le quitté Haïti dans le week-end, dimanche, sans que le pas jouer un résultat, sans que le pas arriver, fait acteurs concernés, mettez ensemble, mettez tête ensemble pour jouer un accord, pour être juste signer un document et bien un accord. Alors, accord ça, et selon tout tiens-té accord et Kingston, je demande à ce que le premier ministre Ariel Henry démissionne. C'est une demande que aucun. Il faut que le démissionnaire, mais on te demande tout pour participer à la négociation, mais il faut que le limiter en jeu sous table là, post-LIA. Ça que supportait l'accord 21 décembre, non, bien encore supportait l'accord pour Natura, ou bien supportait le premier ministre, n'ont pas d'accord avec elle, et c'est là que Bayern a rentré là. Mais pour entre temps, la société pour le soit et tout, et nous attendons le 15 septembre, si on peut penser, donc, il y a du temps un rapport de ça avait été prévu, que je dis à la deux rencontre. Mais jusqu'à présent, il dit pas quoi s'en dire. Jusqu'à présent, il n'y a rien qui dit que à qui il a encore une affaire, qui est-ce qui a participé là-dedans. Mais c'était au moins ce qu'il a fait déjà. Possibilité pour ta rencontre habituelle entre CARICOM avec l'acteur concerné avant même que les Nations Unies et au Conseil de sécurité des Nations Unies pas prononcé sur la situation dans le pays d'Haïti. Et puis bon, c'est vraiment pas comme ça qui a passé pour Philippe, non pas comme qui est un dossier ça. Je dis à nous, dans le cas là, j'ai un peu de bail, je dis à la clé qui a présenté une édition de la Jodia. Et c'est certainement un peu de ce qu'on a parlé, on a su le dossier, surtout le dossier CARICOM, et puis on va le syndiquer pour parler de la situation immigrant qui est dans New York. Et puis, moi, je m'en parle tout de un rapport que. OIM, c'est l'Organisation internationale de l'immigration publiée sous. Et côté, il a rapporté que frontières États-Unis partagent avec Mexique, c'est une zone qui est plus dangereuse. Et c'est une zone côté qui est plus civique, puis côté qui est plus monde qui mourit sous frontières États-Unis partagent avec Mexique, c'est une zone qui est plus dangereuse dans le monde. Et donc, OIM publie un rapport, mais on va parler de l'île, mais on va parler des raisons. Mais on a dit qu'il y a trois pays dans le cas de la chute. Plus concerné, plus victimes, qui peuvent bien plus de monde qui tout, c'est Haïti, République dominicaine, avec Cuba.
diaspora plus spéciale, pour qu'il y ait plus d'immigrants qui sont censés voyager par la route pour rentrer aux États-Unis. Voilà, je pense que c'est là que nous avons payé avec mes spéculations en bon, parce que je ne vais pas proposer des questions que nous avons payé. Mais hier, quelqu'un qui a regardé nous sur Facebook, il y avait un jeune commentaire qui fait qu'il dit que je ne suis pas trop. Et le mina matin, encore là, quand il dit même bagarre là, mais essayez de comprendre que je ne suis pas moi-même, moi étant des sons pour qu'on ait. Et c'est des signes réagis, si nous capables de dire. Voilà, c'est là, je me suis dit, demain encore, on a fait un petit peu sur l'autre grand point, c'est ça, d'attaque dominante, surtout sur le plan international. Alors, dernière nouvelle qui vient là, c'est l'annonce que le président de la député et Kevin McCarthy fait pour dire que la chambre de député a pris une enquête avec possibilité pour retirer. Président Joe Biden sous pouvoir, mais il va chercher un peu plus jeune et document bancaire avec l'autre document quoi qui est pour entre le président Joe Biden et la petite garçon entre Biden qui vient longtemps depuis à parler de situation et que j'ai trouvé lié le dossier, etc. On a bien avec plus d'état sur ce dossier là. En plus, bonsoir, bye bye, on va parler encore. Bye.